J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une journée dans mon assiette, donc avec mes recettes, un peu version vlog puisque c'est le format que vous m'avez demandé. Alors vous allez être contents hein, parce qu'en plus, je vous ai trouvé des recettes hyper faciles et rapides à faire et qui sont vraiment un pur délice. Donc au programme, nous aurons un merveilleux sneakers overnight porridge. Oui, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que j'ai pas arrêté de manger des versions bounty de Caronola que j'ai vraiment kiffé et j'ai eu envie d'inventer ma propre version, donc version sneakers, qui est vraiment une folie. Ensuite, nous aurons pour le repas de midi un sushi bowl. Alors, parce que comme j'ai la flemme de faire les sushis ou les makis, j'ai trouvé que cette version bowl est quand même le mieux. C'est vraiment le must, c'est hyper rapide à faire et c'est diablement bon. Et je vous la recommande vivement. Pour le goûter et avec ses chaleurs, une bonne verrine aux fruits glacés. Donc en gros, c'est un yaourt glacé mais qui est vraiment délicieux et très simple. Et pour le repas du soir, un peu plus léger, un bon club sandwich à base de falafel, de fromage à tartiner vivre vert et de crudité. Et vraiment, ce combo était merveilleux. Allez, c'est parti! Alors, pour faire ce petit déjeuner, nous aurons besoin d'environ 50 g de flocons d'avoine, d'une cuillère à soupe de graines de chia, du lait de soja au chocolat, donc de la Garalpro, environ 120 ml. Si vous n'avez pas de lait au chocolat, n'hésitez pas à le remplacer par du lait de soja ou tout autre lait nature et rajouter une cuillère à soupe de cacao non sucré. Et on rajoute du beurre de cacahuète, donc moi celui de la marque Wollard que j'adore beaucoup trop. Une bonne cuillère à soupe. On mélange bien. Une fois que vous avez bien mélangé, vous rabattez bien les bords pour que toutes les graines de chia soient bien mélangées. Et ça part une nuit au frigo. Et voilà le lendemain ce que ça donne. Pour le topping, j'ai envie de tester ce que j'ai voulu tester depuis des plombes, c'est-à-dire le caramel de date avec les dattes Sucari de Dattelmann. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que c'était des petits bonbons au caramel, mais vraiment trop bon. Donc là, vraiment, j'ai trop hâte. Donc du coup, on va faire ça. Voilà, donc du coup, je vais mixer ça. Alors, pour un caramel de dattes, il y a plusieurs options. Soit vous mixez uniquement les dattes. Alors, comme elles sont bien molles, j'ai pas besoin de les mettre dans l'eau bouillante pour les ramollir. Parce que si vous utilisez d'autres dattes ou des dattes medjool, en fonction des dattes que vous avez, elles peuvent être très dures. Et sinon, bah, je vais voir la texture que ça a. Et en fonction de ça, je vais voir si je rajoute donc de l'eau ou du lait. Donc, à voir. Donc, je vais vous dire ça. Alors, en effet, c'est un peu trop pâteux. Donc, je vais rajouter du lait de soja. Donc on va y aller petit à petit et puis on verra bien de combien j'ai besoin. Bon, on obtient un caramel bien lisse. Et j'ai goûté, c'est trop bon. Du coup, on revient à notre joli overnight porridge. On met une bonne couche de caramel. Et une petite poignée de cacahuètes. Bon appétit! Il est où le pipou? Il est là? Il va se planquer? Il va se planquer? Oui? Tu vas te planquer? Oui, tu. Et voilà! La nouveauté du jour, maintenant Harry a compris qu'il pouvait se planquer sous le lit. Hein? Fripon! Avec la baballe en plus, hein? Hey, tu sors de là? Harry, tu sors de là? Viens ici, boule de poil. Allez, dépêche-toi! Viens ici. Viens là. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Allez, le shooting est terminé, donc je peux enfin déguster cette merveille. Donc voyons voir ce que ça donne, un overnight porridge version sneakers.
Ah non. Trop trop bon. Entre le chocolat, le beurre de cacahuète, le caramel de date et les peanuts. Je vous montre. C'est une tuerie. Du coup, on teste autre chose. Donc j'ai dû bouger toute ma cuisine pour mettre ma table de shooting avec mon appareil. Je voudrais faire quelque chose avec Séverine en contre-jour. Donc du coup, on va tester ça. Alors, on passe à la préparation en avance du riz vinaigré. Donc dans mon multicuiseur, je vais mettre 2 portions de riz. J'utilise du riz à risotto, parce que je n'ai pas de riz à sushi, mais ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, donc je mets en route le multicuiseur en riz à sushi. C'est parti! Voilà, le riz est cuit, donc je transvase pour pouvoir rajouter la sauce. Hop. Alors, pour faire du riz vinaigré, vous aurez besoin de vinaigre de riz, de sirop d'agave, de sel, et pour le topping, des graines de sésame. Donc c'est optionnel, mais comme j'en avais acheté, j'aime bien en mettre. Donc là, au niveau des quantités, je vais y aller un petit peu au pif. Ce que je vais faire, c'est que je vais goûter tout simplement. En plus, il m'en reste plus beaucoup, donc je pense que je peux mettre le fond de la bouteille, le sirop d'agave, une bonne dose de sel, et on mélange bien. Le secret d'un bon riz vinaigré, c'est de mélanger quand le riz est bien chaud, parce que comme ça, ça absorbe bien la marinade. Et après, vous laissez refroidir. Et il sera super bon après. Et on rajoute les graines de sésame. Voilà, vous n'avez plus qu'à laisser refroidir jusqu'au repas. Alors, on passe au dressage du bol pour le sushi bowl. Donc, on reprend notre riz qui a bien refroidi. On en met une bonne couche au fond. Alors, en protéines, un peu de tofu fumé, que j'ai coupé au préalable en dés. En crudité, quelques tomates. Un peu de maïs, de l'avocat, de la crème cheese, donc là de nature que j'ai fait hier soir. Je vous remets la vidéo de la crème cheese si vous ne savez plus comment la faire. C'est vraiment très simple, hein. Vous égouttez juste du yaourt de soja. Donc j'en mets une bonne quantité que j'ai préparée. Donc pour l'assaisonnement, du sel, de l'oignon, et de la ciboulette. Et on en met une bonne couche au milieu. Donc ça fait autant assaisonnement que protéines. Et le petit côté crémeux qui va bien. Et qui est trop trop bon. En topping, un petit peu d'oignon cébette. Et pour la sauce, tout simplement de la sauce soja sucrée. Moi ça me suffit largement. C'est vraiment très bon comme ça. Et voilà, un bol tout simple mais diablement efficace. J'avais complètement oublié de rajouter le plus important, parce que pour que ça fasse un sushi bowl, il faut des algues. Donc là, j'ai utilisé ce combo de chez Lima, donc les furikake. Donc c'est des algues mélangées à des graines de sésame. Donc c'est trop trop bon, donc ce qui évite d'utiliser des feuilles nori. Enfin, vous pouvez, hein, bien sûr, si vous aimez ça et si ça ne vous dérange pas d'avoir des gros morceaux. Mais là, au moins, c'est en paillettes, donc c'est beaucoup mieux. En tout cas, je vais me régaler comme d'habitude. Voilà, j'ai bien mangé. C'était super bon. Le bowl était vraiment trop trop bon et je vous le conseille. C'est simple, mais c'est fortement goûtu. Surtout avec la crème cheese, le combo fait que c'est une merveille. C'est un des plats froids qu'on fait très souvent avec mon chéri et on adore ça. Sinon, ben là, je suis claquée. J'avoue, ce matin, vu que j'ai fait les 4 sets, les 4 shootings, je suis morte. Du coup, je vais me prendre un repos bien mérité. Du coup, devant Netflix, et du coup je lance, coucou Harry, Manifeste. Je sais pas si vous connaissez cette série, mais du coup je la commence et ça m'a l'air trop trop bien. Ah, c'est vrai que j'étais en plein épisode, j'avais pas vu la fin. Et je vais me déguster un petit magnum au caramel en dessert pour me faire plaisir. Voilà, on se dit à plus tard. Bon, il est presque 14h, il est temps de se calfeutrer et d'aller en mode noir, nocturne, parce que comme vous pouvez le voir ici, en fait, ça chauffe tout de suite. Vous avez le soleil qui tape, là, donc de 14h jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est le pire, parce que du coup, bah, on ne peut pas refroidir avant un bon moment.
Donc si je veux pas crever de chaud, j'ai pas d'autre choix que de tout fermer. Et dans la cuisine, je peux enfin ouvrir et c'est là que je pourrais aérer en fin de journée. Mais genre, à choisir, j'aurais préféré que ce soit dans l'autre sens parce que je dors pas dans la cuisine. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis dans le noir. Hein. Je suis dans la salle geek qui est complètement fermée, hein, ce qui fait 28 degrés dans la maison. Donc voilà, pas le choix. Donc je vais me mettre à travailler un petit peu à mon espace de travail. Kuroko, meilleur manga animé de tout l'univers. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. En plus, j'aime pas trop les trucs de sport en général. Mais alors celui-là, c'est pépite. Je l'adore, je le regarde non-stop, en boucle. Vraiment, tellement je l'adore. Donc du coup, j'avais installé les LED au-dessus, là, ce qui fait qu'on voit beaucoup mieux sur mon bureau parce qu'il n'y avait pas beaucoup de luminosité. Donc c'est vrai que c'est pas mal parce que ça chauffe pas en plus. Donc du coup, au moins, ça ne rajoute pas de chaleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les photos de mon appareil et les transvaser sur mon PC, commencer les retouches et puis voilà, puis voir si j'ai sûrement d'autres tâches à faire dans ma to-do. Je ne l'ai pas encore ouvert depuis ce matin, donc je vais regarder ça, faire le point aussi sur mes shootings, sur ce que j'ai fait dans la journée, vérifier mes plans de YouTube parce que je suis pas sûre que j'ai filmé tout correctement. Ça fait tellement longtemps et en plus j'ai fait un peu à l'arrache parce que il y avait un truc à filmer, j'ai dit allez on filme, mais tout était dans le désordre puisque j'ai fait comme un espèce de meal prep de tous les repas de la journée, donc vous forcément vous ne le voyez pas parce que vous allez voir les repas au fur et à mesure. Donc là, c'est surtout pour me rendre compte des plans manquants pour pouvoir les filmer tout à l'heure. Au pire, demain matin, si j'ai vraiment besoin de plus de luminosité, même si j'ai ouvert dans la cuisine parce que je peux ouvrir cette partie. Du coup, voilà, je fais le point et puis on se retrouve un peu plus tard. Bon, il est 17h30. Entre-temps, j'ai sorti Harry. J'ai pas vraiment pu penser à filmer parce qu'en plus, il y avait du monde dans le parc parce qu'il y a une animation. Donc du coup, bon, voilà. Ensuite, j'ai été chercher mon drive. Alors pareil, j'avais envie de vous montrer, mais en fait, il y a pas grand-chose. Hein. J'ai juste acheté mon skier parce que je le trouve que au drive. De l'alcool pour mon homme parce que ce week-end, on a invité. Et sinon, quelques pâtes brisées, feuilletées. Voilà, rien de spécial. Par contre, j'ai meurt de chaud. Là, vous devez le voir. Dehors, c'est un orage qui se prépare. Bon, vous voyez rien là parce que c'est tout blanc, mais de l'autre côté, c'est noir. Donc, il y a un orage qui se prépare. Et tant mieux parce qu'au moins, ça va rafraîchir parce que là, j'en peux plus. Il fait 29 dehors, il fait 29 dedans. Il n'y a pas d'air, c'est étouffant. Donc, bon, je me plains beaucoup de la chaleur, mais franchement, je ne supporte pas. C'est la seule chose qui me donne envie de déménager parce que sinon, franchement, j'adore mon appartement, j'adore où on est situé, mais clairement, ça, c'est la plaie. Si je pouvais avoir la clim, ce serait le bonheur, mais forcément, ici, avec la GoPro, c'est mort. Du coup, mon repas de 4 heures, c'est une viennoise glacée et ça tombe très bien vu la chaleur. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai préparé et on se retrouve à la dégustation. Alors, on s'occupe tout de suite des verrines glacées pour le 4 heures, puisque c'est comme une sorte de glace, et pour que ça reste bien frais. Donc, je vais prendre donc des fruits surgelés. Donc là, je vais mettre des fruits rouges. Hop là! Bon, on recommence, mais cette fois-ci sans vernis catastrophe. Voilà. Donc, je ne pèse pas, je fais à la loupe. Vous rajoutez du skyr Alpro. Alors si vous n'en avez pas, prenez un yaourt normal, c'est possible aussi. Mais c'est quand même mieux, je pense, avec un yaourt épais pour la texture. Donc, et un petit peu de sucrant. Donc ici, du sirop d'érable, qui est mon sucrant préféré. Mais c'est complètement optionnel, hein, ça dépend de vos goûts et de votre côté bête sucré. On va blender le tout. Et voilà. Donc ça a la texture d'une glace. Je vais transvaser dans un contenant qui va aller au congélo. Et on garde ça au frais jusqu'à la dégustation. Bon, ça a bien cristallisé. Bon, c'est l'inconvénient hein, de ces trucs comme ça. Mais du coup, elle est bien dure. Je vais un peu galérer pour la, pour la mettre dans le petit pot. Bon, voilà mon bol. J'ai un peu galéré, un peu beaucoup même. Elle est vraiment très très dure. Il faut dire qu'elle est au frigo depuis ce matin, puisque je l'ai fait très tôt ce matin. Alors que quand je l'avais utilisée pour faire mon shooting, c'était pas encore glacé. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Vu la chaleur ambiante, ça va pas mettre trop longtemps à ce que ce soit mangeable sans problème. Voilà, vous voyez, c'est encore dur. Mais bon, je vais pas, à mon avis, au bout de 5-10 minutes grand max, ça sera bon.
Bon, quel bonheur de pouvoir ouvrir en grand les fenêtres, même s'il n'y a pas trop de vent et qu'il fait encore lourd, mais il fait moins chaud que dedans, donc j'en profite avant que l'orage tombe, parce que là pour l'instant l'orage contourne, mais il est toujours pas tombé. Du coup, il est presque 19h, j'ai déjà faim, donc je vais aller manger mon repas que j'ai déjà donc préparé ce matin, et qui est donc un club sandwich. Sinon, je voulais revenir quand même sur la glace, donc de 4 heures, les verrines glacées. Vous pouvez les faire à la dernière minute pour les manger tout de suite ou les mettre au congélo comme je l'ai fait, mais laissez pas autant de temps que moi parce que pour vous dire, j'ai quand même dû attendre 20 bonnes minutes pour pouvoir arriver à la manger. Donc ça a quand même eu beaucoup de mal à fondre malgré la chaleur ambiante. Donc sûrement à cause des cristaux parce que du coup, ça cristallisait beaucoup et ça se sentait au niveau du goût. Bon, après moi, ça m'a pas dérangé, mais je sais que ça peut déranger certaines personnes. Donc si vous voulez vraiment avoir la texture d'un yaourt glacé, voilà, soit vous le mangez d'office, vous le préparez juste avant de le manger, soit vous le mettez une ou deux heures maximum au congélo. Voilà, donc sur ce, je vous montre comment préparer le club sandwich et on se retrouve pour la dégustation. Alors pour faire le club sandwich, vous aurez besoin de pain de mie, mais également de falafel. Donc moi j'ai choisi ceux de la marque Harry & Co que j'ai hâte de goûter. Donc je vais les faire cuire à la air fryer. Et je vais mettre un petit peu d'huile. Et c'est parti. Pendant ce temps, je mets le pain à griller. Alors, maintenant que les falafels sont cuits, on va en faire de la purée. Vous allez juste à les écraser. On coupe un avocat. Et on passe au montage du sandwich. J'utilise le fromage à tartiner de Vivre Vert qui est vraiment super bon. Ça fait penser un peu à de la crème cheese, mais nature du coup. Voilà. Et ça fait, c'est vraiment très crémeux, très frais. C'est vraiment super bon. Donc vous le trouvez facilement maintenant en grande surface. Hein. Du coup, on va mettre notre petite purée de pois chiches. Voilà, c'est assez bien. Je mets un petit peu de salade. Donc moi, je mets de la mâche. C'est ma salade préférée. On met les lamelles d'avocat. Un peu de tomates séchées. Et finalement, sur la deuxième tranche, je vais aussi mettre du fromage. Plus il y en a, mieux c'est. Et voilà. Un bon club sandwich comme je les aime. Toi aussi, c'est l'heure de la bouffe? C'est l'heure pour Harry de manger? Oui? Bon bah attends. Oui, mais c'est pas par là, la bouffe, elle est là. Hein. Allez, viens. Ah, quel morfalou. Ah, t'es un morfalou. Oui, t'es un morfalou. Alors, je vous remonte le sandwich qui est du coup bien rangé dans une bonne boîte. On va prendre la première moitié. Voilà. Hop. C'est vraiment très bon. Du coup, il est froid, mais il est tout aussi bon, je pense. Parce que là, j'en ai fait un, mais je vais en faire un deuxième qui sera chaud. Mais franchement, il est super bon. Entre le fromage Vivre Vert, qui franchement, je vous le recommande, il est vraiment trop trop bon. Les falafels, donc, que j'ai écrasés pour faire comme un houmous, mais version plus granuleux. La tomate séchée, la mâche. Non, franchement, plus l'avocat. Un délice. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées de sandwich, en tout cas, j'en serais ravie. Voilà, c'est tout pour cette journée dans mon assiette. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'ai eu plaisir à vous montrer des recettes faciles et rapides pour une journée. Donc voilà, et je vous l'ai fait un peu version vlog comme vous me l'avez demandé. Donc vous avez pu voir un peu l'envers du décor. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !